Il bouge. Si. Cada vez que se haga una intervención, luego después se te va a pasar, claro, te pasa la pelota. Todo está muy bien, ¿verdad? Presidente, ¿qué tal? Tú deberías estar aquí. ¿Eh? Da igual. Pues si le cambiamos la nueva de... Sí, sí, por la foto. No había foto de esquema. Ese es tu lugar. Tenés que asumirlo. Ça va. Bonjour tout le monde et bienvenue au domaine de Lucha. Donc on est aujourd'hui ici pour parler du projet et plus particulièrement de la venue de notre nouvel entraîneur, Marcelo Bielsa. Avant de faire cela, j'aimerais juste quelques petits mots par rapport à... Bon, on est dans un contexte plutôt joyeux et positif, mais je voulais juste une petite pensée aux personnes qui sont décédées hier à Manchester lors de ce qui semble être un attentat. Aussi parce qu'on avait des amis qui étaient présents et qui venaient du monde de foot, qui étaient au concert. Donc une pensée de la part du LOSC en fait pour les victimes et leurs familles. Voilà. J'ai pas mal parlé de la venue de Marcelo avant parce qu'on nous a posé beaucoup de questions. Que dire? D'abord, on est extrêmement heureux de l'accueillir. Il fait partie intégrale du projet et c'est quelqu'un qui correspond beaucoup à la mentalité du projet. Et le projet, c'est comme vous le savez, comme on l'a dit tout le long, c'est de construire une équipe qui aura des résultats. Et de construire une équipe avec des joueurs qui acceptent, on va dire, de jouer en équipe, de se laisser emmener, on va dire, par Marcelo et par le club, et de donner aussi aux spectateurs du spectacle, et non pas seulement des résultats. Alors, je vais laisser assez rapidement la parole à Marcelo et après je pourrai répondre à n'importe quelle question. Et quand je passe la parole à Marcelo, je passe la parole au nouvel entraîneur du LOSC, mais aussi à quelqu'un que j'apprécie énormément à titre privé, parce qu'on a beaucoup l'opportunité de parler de choses qui n'ont rien à voir avec le foot. Donc voilà, je laisse à Marcelo la parole. Bueno, estoy feliz de estar aquí. Je suis heureux d'être ici. Siento una responsabilidad muy grande respecto de la tarea por hacer. Je ressens une immense responsabilité par rapport à la tâche qui m'incombe. Gerard, López, Luis Campos y Marc Ingla, los interpreto y los valoro como compañeros de trabajo, más allá de las jerarquías, que van a favorecer las posibilidades de tratar de hacer esto bien, que el producto sea bueno, que el público sea feliz y que nos acerquemos a las posibilidades que tiene el juego en cuanto a su belleza y a la necesaria producción de resultados.
Ese es todo lo que puedo decir respecto de pertenecer a este proyecto y estoy a disposición. Gérard López, Luis Campos et Marc Inglas sont pour moi des collègues de travail, au-delà de la relation hiérarchique qui peut exister entre nous, et ils sont là aussi pour favoriser, nous sommes là aussi pour favoriser la possibilité de bien travailler, de travailler correctement, d'offrir un bon produit, de rendre le public heureux, et puis d'exploiter notre plein potentiel et tout le potentiel qu'offre le jeu en matière de beauté, sans perdre de vue, bien évidemment, les résultats qui sont au demeurant nécessaires. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dans le cadre de mon intégration à ce nouveau projet. Est-ce que vous avez des questions ? Por aquí. Hola Marcelo, por favor. Por ESPN, yo quería saber qué condiciones encontraste aquí en este club para concluir finalmente con este club. ¿Cuáles son las condiciones favorables que te van a permitir hacer un trabajo interesante? Je voudrais savoir, Marcelo, quelles sont les conditions que tu as trouvées dans ce club pour finalement dire oui, pour signer. Quelles sont les conditions favorables qui t'ont fait venir ici? Creo que lo que puedo aportar articula con lo que la estructura y la organización requieren. Je pense que ce que je peux apporter est en phase avec ce que la structure et l'organisation requièrent. Las instalaciones son inmejorables y estimulan el trabajo. Les installations sont parfaites et ça stimule pour le travail. Trabajar con Luis Campos presupone un aporte muy importante en cuanto al diseño del plantel. Travailler avec Luis Campos suppose un apport considérable, très important, quant à la constitution de l'effectif. Y el fútbol tiene algo de industria y mucho de pasión. Y las proporciones que yo he observado en Gerard y en Gerard López y en Marc Inglas se corresponden con mis sentimientos. Le fútbol es fait d'un petit côté industriel et de surtout beaucoup de passion, et ce sont des proportions que j'ai retrouvées chez Gérard López et Marc Inglas qui correspondent à ma vision de ce qu'est le football, ces proportions entre industrie et passion. Autre question. Question pour vous, Gérard. C'est peut-être le plus joli coup que vous avez fait depuis votre jeune carrière de président du LOSC, avec l'arrivée de Marcelo Bielsa. Non, non. Je le dis à côté de Marcelo. Je pense que le plus joli coup, c'est d'avoir composé une équipe avec Marcelo, mais avec Luis Campos et Marc Inglas. Et on espère maintenant, avec les joueurs qui vont venir, comme l'a expliqué Marcelo, mis à part l'aspect hiérarchie, il y a un aspect d'équipe déjà qui existe depuis longtemps, puisqu'on travaille ensemble et beaucoup avec les différents éléments sur la table. Donc effectivement, le plus beau coup pour moi ou pour le club, c'est la mise en place d'un groupe qui va s'élargir au groupe de joueurs, qui espérons apportera des résultats. Mais ce n'est pas c'est la cohésion du groupe qui est le plus joli coup. Ce n'est pas une individualité dans le groupe. Bonjour, une question pour Monsieur Bielsa en haut, au niveau des caméras. Nicolas Payard, InfoSport Plus. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez déjà nous faire un point sur vos volontés au niveau recrue, tant au niveau départ de l'effectif qu'au niveau arrivée. Merci. Ese tipo de información solamente es prudente proporcionarla cuando cualquier decisión que se tome haya sido efectivizada o concretada, y hasta el momento no hay, son solo proyectos, planeaciones y no hay nada concretado.
c'est le type d'information qu'il vaut mieux donner lorsque la décision prise a été ratifiée et concrétée. C'est plus prudent. Et à ce stade, nous n'en sommes qu'à l'étape du projet. Donc on commence à peine, donc on ne peut pas donner ce type d'information-là. Bonjour, Jean-Marc Devray de France 3. Question à Marcelo Bielsa. On est étonné qu'un entraîneur de votre niveau vienne entraîner un club moyen d'un championnat européen moyen. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos motivations et à quel niveau vous espérez amener le LOSC? Bueno, yo no debo responderle que la envergadura que me atribuye no es la que yo reconozco al observarme. Je dois vous répondre d'abord que la dimension que vous voulez bien m'attribuer n'est pas celle que j'observe de moi-même. Tengo una valoración de la liga francesa diferente a la que usted comenta. J'ai une image et une évaluation que je fais de la Ligue 1 qui est différente de celle que vous mettez en avant. Y la potencialidad que yo observo en esta ciudad, en este club y en este proyecto. Et le potentiel que je vois dans cette ville, dans ce club, dans ce projet. Alimenta mucho mi ilusión y mi deseo de hacer. Alimente grandement mon enthousiasme et ma volonté de bien faire. Si, reuniendo todas esas conclusiones, todas esas apreciaciones, la conclusión no es la misma que usted utilizó para formular la pregunta. Donc, si l'on rassemble toutes ces considérations, la conclusion n'est pas la même que celle à laquelle vous êtes arrivé pour formuler votre question. De todas maneras, el tiempo dirá qué es lo que somos capaces de construir, ¿no? Et de toute manière, c'est le temps qui dira ce que nous sommes capables de construire ici. D'autres questions? Oui, bonjour pour Marcelo Bielsa. Mathieu Marguerite, Foot Mercato. Quels objectifs vous ont été fixés en termes de classement d'ici la fin de saison? Merci. Yo siempre pienso en cada paso que se presenta, ¿no? Difícilmente mi imaginación me lleve a lugares diferentes a los del próximo partido. Yo tengo mucha ilusión y no diría que las expectativas son pequeñas, ¿no? J'essaie toujours d'anticiper, mais jusqu'au pas qui arrive, jusqu'au prochain pas. C'est difficile pour moi de me projeter au-delà du prochain match. Je peux vous dire ça, oui, que j'arrive avec beaucoup d'enthousiasme et que les attentes que l'on a placées en moi et en nous ne sont pas petites. Marcelo, il y a beaucoup de supporters marseillais qui ont regretté votre départ. Est-ce que vous avez un message à leur dire, parce que maintenant vous êtes dans un club qui sera concurrent? Bueno, yo el mensaje es de gratitud. Para mí haber podido trabajar en Marsella es un recuerdo imborrable. Eh bien, ce serait un message de gratitude, de reconnaissance, car avoir eu la possibilité de travailler à Marseille est un souvenir impérissable. Podría extenderme muchísimo más, pero bueno, me parecería a lo mejor exagerado, demagógico, pero el agradecimiento al velódromo siempre lo voy a llevar entre mis mejores recuerdos. Je pourrais développer beaucoup plus, mais je pense que ce serait exagéré et inopportun ici. Mais mes messages de remerciement au Vélodrome seront toujours en moi. Une question pour Gérard Lopez. Bonjour. Ici, pardon, bonjour. Bonjour. Quelle enveloppe, quel moyen vous avez prévu d'allouer pour le recrutement cet été?
Alors on a fait une approche un peu différente et je dirais plus pragmatique, dans le sens où ça fait un moment que Marcelo et Luis Campos travaillent ensemble, bon, avec Marc Ingla bien sûr aussi, sur la construction de l'équipe pour la saison prochaine. On est parti des requêtes de Marcelo. Lui, ça a construit ensemble avec Marcelo, on va dire, une liste de joueurs qui correspondent à ces besoins-là. Et on est en plein dans le travail maintenant d'essayer de clôturer les différents postes, les différents joueurs, en sachant que il n'y a pas de, comment dirais-je, on n'a pas pris une approche en disant voilà l'enveloppe et donc on se limite ou on fait autant que ça. Mais on a vraiment pris une approche beaucoup plus pragmatique, qui est d'ailleurs la seule qui réussit une équipe, c'est-à-dire de remplir les différentes cases et les différents besoins qui ont été énumérés par le coach. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Bonjour, Joël Domenighetti, l'équipe. Une question pour Monsieur Luis Campos. Quels besoins précis ont été énoncés par Monsieur Bielsa en termes de poste et de recrutement, de profil? Bonjour à tous. Nous avons étudié bien l'effectif intérieur. Dans notre rendez-vous, nous avons discuté beaucoup pour trouver les meilleures solutions pour le LOSC. Au final, ça veut dire que le plus important, c'est le club, c'est le LOSC, et que la prochaine saison, nous devons avoir une équipe très compétitive, une équipe capable de donner le plaisir à qui vient au stade, et faire les personnes regarder aussi que le LOSC peut être un jour le plus vite possible un club avec une autre dimension. Nous avons étudié tout l'effectif et ça veut dire qu'à ce moment, nous pensons des joueuses pratiquement pour tous les postes. Tout le monde en ce moment a passé une phase d'étude et à ce moment, nous étudions très bien qu'est-ce que nous peut proportionner le marché. Question pour Marcelo Bielsa. Compte-t-il sur les anciens joueurs du LOSC, comme Franck Beria, comme Ryuma Vuba, qui sont des figures importantes, qui ont tout connu ici, notamment le titre et le doublé en 2011? Hacer referencias puntuales sobre decisiones no tomadas est ce que je dois éviter, non? Je dois éviter de faire des références précises sur des décisions qui n'ont pas encore été prises. Et parallèlement, comme idée et comme concept, je crois qu'il faut valorer le passé historique de quelques clubs. Mais parallèlement à cela, en tant qu'idée, concept général, je pense qu'il faut valoriser le passé d'un club. Monsieur Bielsa, comment expliquez-vous l'excitation que vous créez ici, au niveau populaire, au niveau médiatique, la même excitation qu'à Marseille, c'est le record des médias aujourd'hui, toute la presse parle de vous, comment expliquez-vous cette excitation que vous créez quand vous arrivez dans un club ? De presencia de periodistas y aquel entusiasmo que suscita entre los hinchas. No podría decirle nada que me haga en lo que crea. Je ne pourrais rien vous dire qui corresponde à ma pensée. Une question pour Monsieur Bielsa, Nicolas Payard d'Info Sport Plus. Je voulais savoir pour combien de temps vous vous installez ici dans le projet Lillois. Merci. Pour 2 ans. 2 ans. Pour Monsieur Lopez, donc aussi. Je vais essayer d'en toujours un petit peu sur la durée.
Est-ce qu'une des conditions, justement, de recrutement de M. Bielsa, c'est le fait aussi que vous lui laissez la durée un petit peu ? C'est-à-dire le fait de prendre des jeunes, de former une équipe, et que vous n'exigerez peut-être pas des résultats dès la première année, quoi. Je pense qu'il faut, diviser en deux la question. La première, c'est que je partage beaucoup avec avec Marcelo une vision du foot qui est la suivante. C'est que le joueur idéal ou les joueurs ou l'équipe idéale seraient des très jeunes joueurs, 12, 13, 14 ans, que vous réussissez à maintenir innocents jusqu'au jour où ils sont capables de gagner des titres. Donc, en théorie, l'idéal, ça serait 8, 7, 8, 9, 10 ans. Maintenant, le foot requiert à d'autres réalités, donc requiert une autre approche. Ce qui veut dire qu'on est on est parti sur une période beaucoup plus courte. Marcelo parlait de responsabilité avant. C'est pas seulement la sienne, c'est aussi la nôtre. C'est-à-dire qu'avec l'effectif qu'on va essayer de construire, on s'attend à avoir des résultats assez rapidement. Maintenant, que ces résultats soient gagner des titres ou pas, on le saura pas. Ça se jouera sur les terrains, contre les autres équipes. Ça dépend pas que de nous, ça dépend aussi de ce que font les autres. Mais c'est vrai que l'objectif est quand même, dès la saison prochaine, de proposer un foot intéressant et des résultats intéressants. Après, comme j'ai dit, on verra en fin de saison l'année prochaine, d'abord si on a eu raison, et deuxièmement, où est-ce qu'on arrive au niveau des résultats. Pour en revenir au recrutement, il y a des joueurs qui ont été prêtés cet hiver. Donc l'option d'achat de Cheka a été levée. Qu'en est-il des autres recrues ? Non, pour revenir à ce qui a été dit avant, on est vraiment en pleine réflexion, on est vraiment en pleine discussion, que ce soit avec des joueurs du groupe existant, qu'avec des joueurs qu'on aimerait intégrer dans le groupe. Et ce genre de réponse, on la donnera au moment où on aura, nous, décidé soit de lever des options, soit de pas de lever, soit de faire venir des joueurs. Et on n'est pas en position de pouvoir donner ces réponses-là actuellement. Une question pour Marcelo Bielsa. Marcelo, quels sont les grands principes de jeu que vous voulez donner au LOSC ? Quelle est l'identité de jeu que vous voulez donner à cette équipe du LOSC ? Protagonisme. Tratar de passer todo el tiempo posible atacando. Para eso es necesario defender bien. Campo rival, más que campo propio. Y la pelota más a ras del piso que por arriba. Protagonismo, tenter autant que possible, en tout cas d'attaquer le plus longtemps possible, tout le temps. Et pour cela, il faut essayer de bien défendre, si possible dans le camp adverse et pas dans notre moitié de terrain, et en maintenant le ballon le plus au sol possible, pas trop jouer en l'air. Y rivales que lo permitan. Et évidemment, avoir des adversaires qui nous permettent de faire cela. Maxime Wolf, RTL, pour Marcelo Bielsa. On n'aura pas de nom de joueur, mais est-ce qu'il y a des caractéristiques, surtout mentales, que vous cherchez chez les joueurs qui vont arriver au LOSC ? Bueno, a mí me gusta, valoro mucho la capacidad creativa de los jugadores y la poder imponer los recursos técnicos exige un carácter que no debe descuidarse, ¿no? Entonces, le estoy planteando una situación demasiado ideal. Jugadores muy ricos técnicamente, de mucho carácter y inteligente, ¿no? El problema es encontrarlo luego.
Moi, j'accorde beaucoup d'importance à la créativité chez un joueur. Et pour imposer sa qualité technique, il faut aussi faire preuve de beaucoup de caractère. Donc c'est un peu la description du joueur idéal, n'est-ce pas ? Un joueur extrêmement technique, qui aura en même temps une grande force de caractère, qui en plus serait intelligent. Le problème, c'est de trouver le joueur. Une question pour Marcelo Bielsa. Comment ça va se passer avec les supporters ? Est-ce qu'il y aura des séances d'entraînement ouvertes pour eux ? Et petit clin d'œil, est-ce que vous aurez toujours votre glacière ? Parce qu'on est dans le nord et il ne fait pas toujours très chaud. Con los seguidores, si habrá momentos abiertos para los hinchas que puedan ver, y ya que estamos aquí en el norte, que no hace tanto calor como en Marsella, se seguirá teniendo la cubitela. Bueno, la primera recomendación con la que llegué a Cali. Más que una recomendación, fue una orden de mi esposa. La primera recomendación con la que je suis venu a Lille, y plus qu'une recommandation, c'était plutôt un ordre de ma femme. Fue que sonriera y que mirara a los ojos, cosa que estoy cumpliendo a rajatabla. C'était de sourire y de regarder en face, dans les yeux, chose que je suis en train de faire. Creo que ese ya es un aporte significativo a las relaciones humanas. Donc déjà, c'est une avancée significative en termes de relations humaines. Ah, une question à Marcelo. Pendant que les joueurs sont partis en vacances, même si on ne sait pas s'ils seront encore l'année prochaine, qu'est-ce que vous leur avez demandé pour être prêts pour le 19 juin, le jour de la reprise ? Et quel est le programme que vous avez prévu pour le mois de juillet jusqu'à la date de la reprise du championnat ? Bueno, lo natural es que los jugadores conserven el peso ideal. Ce qui est normal, c'est que les joueurs maintiennent leur poids de forme. Que no pierdan una cualidad física que se puede conservar con poco esfuerzo, que es la cualidad heroica. Qui ne perdent pas une qualité physique que l'on peut préserver à moindre effort, c'est la qualité anaérobie. Y luego las seis semanas disponibles las dividiremos en dos segmentos parecidos. Et puis les six semaines de préparation, on va les diviser en deux périodes de même durée. El segundo contendrá cinco partidos amistosos. Dans cette deuxième période, cinq matchs amicaux sont prévus. Y el primero será de una preparación general del equipo. Et la première période, c'est une préparation générale de l'équipe. A partir de aproximadamente el 20 de junio. À partir du 20 juillet, du 20 juin approximativement. Et hasta el 7 que comienza la liga. Et jusqu'au 7 août que commencera le championnat. Con una primera semana de evaluaciones. Avec une série d'évaluations pendant la première semaine. Y la última semana que es la de la preparación del partido número uno de la liga. Et la dernière semaine consacrée à la préparation du premier match de championnat. Bonjour Marcelo, la saison de Ligue 1 qui vient de s'achever a été assez épatante. J'imagine que vous avez porté un regard avisé dessus. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Quel bilan en faites-vous ? Est-ce que vous constatez une évolution depuis votre départ de Marseille dans le championnat ? Bueno, aumentan los postulantes a los puestos de vanguardia, ¿no? Les candidats en haut de classement sont plus nombreux. El nivel de los equipos individualmente también se ha modificado. Le niveau individuel des équipes a changé aussi. Llegan jugadores que se corresponden con valores distintos a los que inicialmente me refiero a los últimos tres o cuatro años, ¿no? Hay equipos que ya compran jugadores que hace cuatro años no compraban en términos de inversión, ¿no? Eso eleva el estatus de la liga. Et puis arrivent des joueurs avec des valeurs différentes que celles disons 3-4 dernières années. Je veux dire par là que les équipes investissent dans des joueurs au profil différent que ce qu'ils ne faisaient il y a quelques années.
Monsieur Bielsa, je voudrais savoir si vous pouvez nous parler de votre staff. Pourquoi vous avez choisi les adjoints qui sont donnés par le LOSC officiellement, d'une part, quelles seront leurs tâches respectives et pourquoi ces choix, et que va-t-il devenir, que va devenir le staff en place actuellement, notamment Monsieur Sacramento, par exemple, les préparateurs physiques, est-ce que vous gardez le même médecin? Est-ce que vous pourriez nous parler de votre équipe avec laquelle vous allez travailler? Mark Inglas lleva los, está tramitando los fichajes, por lo cual tiene información calificada. Mark Inglas, qui gère les recrutements, donc il dispose d'informations qualifiées. Lo segundo es que hay muchos integrantes de la institución que van a hacer un aporte a nuestro trabajo. Deuxièmement, je dirais qu'il y a beaucoup de membres de cette institution qui vont apporter quelque chose à notre travail. Y los quienes me acompañan son gente que con las que yo trabajo hace mucho tiempo. Et ceux qui sont avec moi sont des gens qui m'accompagnent, avec lesquels je travaille depuis très longtemps. Et salvo Gabriel Macaya, con el que alguna vez trabajé, pero lo vuelvo a hacer ahora también después de mucho tiempo. Et puis il y a Gabriel Macaya avec qui j'avais travaillé par le passé, avec qui je vais retravailler à présent, que je connais déjà depuis longtemps. La referencia a Mark está hecha porque tal vez deberían consultarlo sobre los temas de las incorporaciones. Je faisais référence à Mark parce que c'est peut-être à lui qu'il faut poser des questions sur les nouvelles arrivées. Antes, cuando hacía una broma, generaba respuestas diferentes a las que consigo ahora. Lorsque je faisais des blagues, j'avais des réponses différentes de celles que j'obtiens aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Photo. Si, on va. Tu pones Marc à l'auto para photo. Je veux qu'on soit prêt. Je veux qu'on soit fort. Je veux qu'on se batte. Je veux aller jusqu'au bout et plus loin s'il le faut. Je veux l'excellence et je veux le feu. Je veux que rien ne nous résiste. Je veux que l'on soit unis et je veux qu'on donne tout. Et quand on aura tout donné, je veux la victoire.